Ce mercredi 13 décembre, les élèves de la Star Academy 2023 vont chanter devant Emmanuel et Brigitte Macron à l'Élysée à l'occasion de l'arbre de Noël des enfants. Une grande première. Chaque année, le couple présidentiel reçoit des centaines d'enfants au palais de l'Élysée à l'occasion de l'arbre de Noël des enfants. Un goûter lors duquel le président de la République Emmanuel Macron et la première dame Brigitte Macron seront présents, ce mercredi 13 décembre. Et pour la première fois de l'histoire de la Star Academy, les élèves du télécrochet sont conviés à cet événement. Un honneur pour Clara, Axel, Candice, Julien, Elena, Djibril, Lenny et Pierre qui vont chanter en direct du palais de l'Élysée. Si est-il lors de l'ouverture de leur case du 12 décembre de leur calendrier de l'Ave que les académiciens ont découvert leur invitation, sous le choc. Monsieur le Président de la République et Madame Brigitte Macron vous prient de bien vouloir participer à l'arbre de Noël des enfants le mercredi 13 décembre à 14h au palais de l'Élysée, a récité Clara à ses camarades lors d'une séquence diffusée sur le live de la Star Academy sur MyTF1 Max. Star Academy 2023, les élèves apprennent qu'ils vont chanter à l'Élysée, ils sont choqués, les réactions ont fusé après l'annonce de cette sortie. Mais comment on va s'habiller? A questionné Axel alors que Clara interpellait Djibril. Djibril, on va voir Macron et Brigitte, avant d'assurer, je savais qu'il y avait quelque chose. En effet, le planning de la semaine de la Star Academy laissait un vide ce mercredi 13 décembre étant les élèves que les téléspectateurs suspectaient une sortie surprise pour les académiciens. Je suis choqué, a lancé Elena après avoir découvert qu'elle allait rencontrer Emmanuel et Brigitte Macron alors qu'Axel a paniqué, attendez, mais il n'y a pas de prompteur à l'Élysée. Les élèves de la Star Academy découvrent les titres qu'ils vont chanter devant Emmanuel et Brigitte Macron à peine remis de leurs émotions. Les élèves de la Star Academy ont découvert les titres qu'ils vont chanter ce mercredi 13 décembre devant le président de la République et la première dame. Évidemment, ils interpréteront l'hymne de la saison 11, Au bout de mes rêves. Ils proposeront ensuite le medley sur les plus belles chansons Disney déjà chantées sur le plateau. Candice va enfin pouvoir prendre sa revanche puisqu'elle participera à ce medley alors qu'elle avait été évincée du tableau lors du troisième prime. Enfin, ils feront une prestation sur les chansons I Am Still Standing d'Elton John et la même de Gims.